Les dernières consignes, le plan de ville, le ticket tram et le jambon beurre. Encore une petite photo pour immortaliser tout ça. Reste le cri de guerre et c'est parti. J'accède, c'est le nom de code de l'opération. La mission, tester l'accessibilité des commerces, hôtels et restaurants des quartiers de la ville. Non, là c'est chaud. T'arriveras pas. Non, si moi je dis que c'est chaud. Ouais. Non, si je suis tout seul, c'est mort. Je vais juste fermer la porte. La marche est trop haute, l'entrée trop étroite et l'accueil pas franchement chaleureux. Tant pis, l'équipe poursuit sa tournée avec rigueur et méthode. On a des critères à respecter. Donc par rapport au niveau des tailles, au niveau de la largeur des portes par exemple, si c'est sur plein pied ou alors si c'est un étage, s'il faut monter. C'est vrai qu'on n'y pense pas dans la vie de tous les jours, nous qui pouvons marcher, courir. Et dans la vie de tous les jours, on s'arrête parfois au distributeur du coin de la rue, mais pour Thibaut, ça se complique à nouveau. Si Thibaut là veut retirer, il a déjà pas le bras assez long pour remettre sa carte. Et en plus de ça, il y a une petite marche là qui l'empêche de coller au distributeur. Côté shopping, Céline, elle, doit parfois se faire une raison. On est obligé d'arrêter ici parce que derrière, il y a trois marches. Donc vous n'avez pas accès à l'ensemble ? Non, on n'a pas accès à l'ensemble. Un peu agacé, mais jamais découragé, Thibaut et Céline espèrent pouvoir un jour aller et venir, comme tout un chacun.